On enchaîne. The Lamb du coup. Forgotten. Ça va, c'est pas un mauvais perso. Pas mal de petits avantages sur le Forgotten. Oui, la mécanique est peut-être un peu relou, encore que moi j'aime bien, ça change. Mais, dans certains cas, elle peut être jouée safe. On peut choper plus d'items parfois qui sont inaccessibles. Picker Spoon sans gâteaux, rapide gratos, tout ça. Quand même plutôt pas mal. Le coupon, à la limite, ça peut se prendre. Ça peut exister, le coupon. Pas mal. J'ai vu le cœur bleu dans le shop, moi je l'ai acheté, non ? Dans le feu. Pardon ? Pardon ? Salut Alice. Allez hop. Le crâne l'a levé au-dessus de sa tête. Oui. Ça normalement il le fait. Le cube de viande est un bon objet à choper ici. C'est pas mal sur ce perso parce qu'on va avoir souvent des occasions de se coller aux ennemis. Donc c'est pas mal. C'est que cet étage. Les grandes salles là. Bonne salle avec les mouches. Un soup. Un sup à tous les coups, l'item room en plus, voilà, elle est en bas, je vais devoir tout me retaper. C'est un perso qui se déplace vite. Ouais. Hop. Je peux le lancer. Et mon trajet. Ah oui, non mais en plus l'étage il s'arrête pas là quoi. Non mais pas mal. C'est limite un bug à ce moment-là. Hein. Ok, personne n'est content de nous voir. Ça, pas forcément. Plutôt Team Ange normalement. Et là du coup j'ai mon proc forcé de Devil Deal. Je vais quand même rien prendre à mon avis. Sauf si je sais pas, le boss me donne un pyjama ou quel grand genre. Éventuellement à ce moment là pourquoi pas. Ou je sais pas, le super bandage. Là ok, on pourra jouer. Qui esquive le cube de viande. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'il
Il esquive pas le reste. Mais quand même. Bon, je pense qu'on va rester sur un 50-50 en espérant. Peut-être essayer de booster les chances d'ange dans les magasins ou ce genre de trucs. Une biblio, bah. En vrai. On va y aller assez vite. Ah! Ouais, je peux prendre les deux. C'est vrai ça. Eh ben allez, va pour. Tant pis, on va faire une run DD. Et tant pis, j'aurais pu. Je pense que j'aurais bien aimé le Rotten Baby plutôt que le Damage Up. Le Rotten Baby il va coller les ennemis aussi vu qu'il suit le pote. Peut-être le mieux. Allez, la prends. C'est pour vous. Vous voyez ce que je fais maintenant? Je prends les pilules. Vous êtes fiers de vous? Je suis retombé dans mon addiction. Et ça vous fait rire. C'est cruel. Ce qu'on fait. Ça réduit la hitbox du crâne. Ça réduit pas la taille de son onos, si c'est la question. Après, oui, c'est peut-être légèrement moins facile de viser. Peut-être. Ah, yes. Je vais payer mon cube de viande à un cœur là. Ça fera un item en moins, surtout. Dommage. On avance. La culpabilité ne marchera pas, vous préférez rigoler, quoi. Tiens. Vous, si jamais vous étiez dans le film Truman Show, vous seriez des acteurs, quoi. Vous seriez là pour l'entertainment, quoi. Vous n'auriez pas honte. En vrai, vu l'utilité de l'item, on peut garder la bible. Hein. Je pense qu'il manque un message, Bozo. Je suis pas sûr. Mais bonne journée à toi. Bon après-midi. Dans un show, mais tu sais pas. J'ai toujours su. Au fond de moi, j'ai toujours su. Card reading. Ouais. J'ai pas obligé de taper au boss. Non, ça me dit rien la ref. Si c'est dans le Truman Show, je l'ai vu il y a au moins 10 ans. Hein. Je me souviens plus trop. On a deux tentatives pour une salle rouge là. Qu'est-ce qu'on en pense? On visite le reste de l'étage du coup. Là c'est pas mal juste parce que ça ouvre trois salles. Ouais, ça ouvre pas grand chose à part vers l'item room.
Non, à gauche, ça ouvre pas vers la challenge. Il y a salle en haut. Et il y a pas assez d'écart. Oh, ça c'est très bien par contre. Ah, très bien ça. Ok, voilà. C'est cadeau. Donc là, à droite, ça peut techniquement être là, par exemple. Là, dans le coin. En vrai, ça peut, hein. Dommage. Ça aurait pu être là-haut, quoi, genre. Après, ça testait qu'un spot, donc c'était peut-être pas optimal, mais bon. Là en haut ça va pas pour... Ouais ça peut pas être là. Non mais en vrai depuis l'item room... Pourquoi pas. Ça teste le spot en haut. Ça me parle. De toute façon je vois pas d'autres spots hein. Un peu le... Ah, peut-être en bas, la salle à droite. Il y a aussi des angles à la limite. Ah oh bah là, déjà, c'est pas là parce qu'il y a un Devil Deal. Devil Deal que je ne veux pas, je pense. Et bah, ce sera pas par là. J'ai mal choisi. Mais j'ai vu un DD et une curse move, hein. Quand même. C'est assez rare. Je pense que c'était plus à la droite du coup. Pas terrible hein. C'est vraiment pas ouf tout ce qu'on propose là. Bon, au moins j'ai plein de cœurs mais... C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait, boss? On speedrun ou pas? Non, on va jouer un peu. On va quand même TP devant aussi. Ah, The Messenger. Musique 8 bits et les 16 bits aussi, mais... Vraiment, je trouve trop cool. Hein. Et les musiques de Sea of Stars sont bien aussi. Sea of Stars, j'ai juste moins accroché parce que... Bah, les RPG, c'est pas trop mon style de jeu. Les JRPG. J'approche beaucoup, beaucoup... Y a, je sais pas comment ça s'appelle, les RPG où faut cliquer au bon moment, là. Les Paper Mario-like. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais... Cette mécanique là, elle dynamise un peu les combats, mais ça marche. Ça marche 3-4 heures quoi. Mario et Luigi like. C'était déjà dans Paper Mario, non? Avant d'être dans Mario et Luigi, non? C'était peut-être même déjà dans Mario RPG, le vieux Mario RPG. Mais je l'ai pas fait. Il y a eu un remake d'ailleurs, sorti l'année dernière sur Switch. Que je n'ai pas fait parce que bah, les RPG c'est pas trop trop ma cam, même si encore Paper Mario j'aime pas mal. Paper Mario ça va, je trouve que ça passe parce que il y a justement toutes les mécaniques un peu semi-puzzle Mario qui sont un peu annexes. Après voilà, ça reste un RPG. C'est les jeux que je faisais quand on me prêtait sur la GameCube notamment. J'avais même une GameCube. Paper Mario Thousand Doors machin là. J'y ai joué parce que c'est un copain qui me l'avait prêté. Quand t'as les jeux et que tu sais. Et que t'as 12 ans et que. Et que t'as 3 jeux. Bah tu ponces les 3 jeux quoi.
s'est mis récemment à Sea of Stars, ok. Ouais, mais Host, il aime beaucoup les RPG pour le coup. Enfin, vraiment. Ça, c'est clair. Et 100% son style de jeu. Il est bizarre, mon squelette, non? Ah non. Juste quand je le porte. Quand je le porte, il a plus de tête. Donc si, il est bizarre quand même. Là, il a une tête. Là, il l'a plus. Là, il a une tête. Ok. Go rush, hein. Objectif, finir les runs. The Lamb. Je vais utiliser mon bouquin avant d'aller au boss, comme ça j'aurai deux items de Devil Deal. J'ai l'item des bâtards. Il m'a bien snappé là. Okay. Oh, la petite prunelle qui fait tout le taf. Et j'arrive à avoir un ange quand même, incroyable. Ouais. Et là, full TP rouge, full speedrun. Non. On va y aller quand même pour la TP en salle secrète. Je sais pas, les RPG que j'ai le plus aimé ou que j'ai vraiment fait en entier, bah. Baldur's Gate. J'ai trouvé Baldur's Gate 3 très cool, mais j'ai adoré. Divinity Original Sin, j'ai trouvé vraiment vraiment trop trop bien. Le 2. J'ai fait plusieurs fois que je trouve vraiment excellent. En fait j'aime bien les computers RPG. Donc ça m'a grave parlé. Et Pillars of Eternity que j'avais fait, bon c'est encore un CRPG. En JRPG, Pokémon si vous voulez les compter comme ça. Ils ont annoncé qu'ils voulaient pas faire un... De toute façon ils vont pas faire de BG4 tout de suite hein. Leur jeu il est turbo rentable déjà le 3. Ils sortent régulièrement des patchs et tout. Ils ont pas besoin de sortir un 4 pour l'instant hein. Et Divinity 3, je suis chaud, ouais. Vraiment, le 2, j'avais... Quand j'ai appris que c'était eux qui faisaient Baldur's Gate, j'étais trop content parce que le Divinity, j'avais trouvé trop trop cool. Après, ouais, j'ai fait Chrono Trigger quand j'étais plus jeune, mais... J'avais bien aimé l'ambiance et encore une fois, voilà, c'était l'époque où... c'était soit tu jouais à des jeux sur émulateur, soit... Soit tu payais tes jeux, j'avais pas des masses d'argent. À l'époque, j'ai pas beaucoup payé mes jeux. Hein. Même les jeux un peu plus vénères. J'étais team... team jambe de bois. Hein. Vachement moins aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeux que j'ai pas avec le stream, je les paye volontiers parce que maintenant j'ai des sous. Que je joue beaucoup à des jeux indés et que je suis en mode okay, soutenir un peu plus les studios. Non, c'est pas bien. Mais maintenant, je le fais plus. Je vous invite pas à le faire non plus. Mais parfois, la vie est dure et on n'a pas les moyens. Je blâmerai pas non plus les gens qui le font.
Mais sinon, ouais, du coup, je sais pas. Jamais fini un seul Final Fantasy de ma vie. Ça pourrait être un genre de goal pour un événement anniversaire. Mais le problème, c'est que si je fais ça, on en choisira. Et là, les gens vont pas être d'accord. Quel Final Fantasy, si je devais en faire qu'un, lequel je devrais faire? Et là, c'est la guerre. Je fais un poll. Je fais comme un Spidon. Je mets quel est le meilleur FF. Les gens qui s'abonnent, ils peuvent choisir. Ouais, à la limite, t'as un truc, les remasters où tu peux... les versions Steam où tu peux désactiver les combats aléatoires et tout, ça serait grave chaud. Ça serait grave chaud pour... s'il y avait, je sais pas, genre le 6 ou le 7 dans ces versions-là, je serais très très chaud. Alors que si tu les fais tous... 6, 7, 9... Ah, le 9! C'est le seul où j'ai un peu joué. Il y aurait un petit côté nostalgie. Le 9, je pourrais me motiver, ouais. Le 16, c'est les plus récents. Bah, les plus récents, j'avais bien aimé la mécanique de combat du 15, que je trouvais assez dynamique. Mais il avait l'air tellement long. Et j'ai un Jean-Brony. Le 7 aussi a cette fonctionnalité, ok. En vrai, ça pourrait hein, être une motivation de goal. Vas-y, je vais le retirer. Pour éventuellement pour un stream anniversaire, faire des jeux comme ça que genre faudrait que je rattrape. Mais Final Fantasy, c'est pas genre n'importe quel jeu à la con. C'est quand même une licence extrêmement connue, extrêmement populaire. Et j'en ai pas fait un seul. Why not? Par contre, j'en fais pas 12. Hein. Sauf si j'accroche. Si soudainement je me rends compte que c'est une dinguerie, bon bah pourquoi pas. Moi non plus. Oui, 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 mais en fait voilà, c'est jamais obligé ou quoi, tu vois. Mais... Il y a des trucs, j'ai un peu envie, tu vois, justement pour voir un peu ce que ça donne. Coucou Yandline. J'ai un peu envie en mode, bon, pour savoir, tu vois. Savoir un peu ce que je rate et tout. Mais je sais que il faut que j'ai une motivation, faut que j'ai un truc. Faut qu'on le fasse ensemble, faut qu'il y ait des gens qui viennent chatter avec moi, faut que je sois un peu guidé parce que j'aurais vraiment pas la foi genre de farmer ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, faudrait le faire bien. Donc, je sais pas. Après, le 16, le 15, 16, tout ça, là, je peux pas les faire parce qu'ils sont pas sur PC, je crois. Le 15 est peut-être sur PC. J'ai pas de PS5, donc tout ce qui est sur PS5, c'est mort.